Plus de 84 000 mutualistes et leurs familles suspendus pour non-paiement de cotisations vont bénéficier désormais des prestations médicales de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. La décision prise par le conseil d'administration de la structure vise à restaurer les liens de solidarité entre les fonctionnaires et leurs mutuelles. La première décision du conseil d'administration portant levée des suspensions des prestations concerne les suspensions en cours consécutives au saut de cotisation des mutualistes du régime de base et du régime complémentaire maladie voire santé. L'accès du nouveau retraité aux prestations étant simplement subordonné à la reprise des précomptes sur sa pension et après l'observation d'un délai de carence de 3 mois. La suspension pour non-paiement des cotisations concernait également les ayants droit à la retraite ainsi que les adhérents dont le contrat est résilié. Toutes ces personnes pourront à nouveau souscrire aux différentes prestations de la MUGEFSI. Dès qu'on va à la retraite, on a toutes les maladies possibles. Alors, avec la difficulté qu'il y a eu dans ce pays, et que les gens n'ont pas pu avoir leur retraite à temps, ils se sont endettés, et puis ils n'ont pas pu payer les cotisations régulières. Si la direction de la MUGEFSI décide de laisser tomber ces dettes-là pour que les gens payent les impôts, rien de plus heureux que cela. La décision prend effet à compter du 1er mars 2014 et les mutualistes concernés devront souscrire avant le 31 mars 2014. Autre décision majeure, Lansigné Touré, directeur général par intérim, est confirmé au poste de directeur général de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire.